Bonjour chers spectateurs, je vous salue sur la chaîne YouTube Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev et nous sommes dans le bâtiment du futur BTUI Sovelmash. Les travaux sont toujours très actifs après les fêtes de fin d'année. À présent, vous pouvez voir la partie droite du bâtiment et les cloisons antérieures dont la plupart ont déjà été installées. Il s'agit des cloisons qui séparent les dépendances sans étage de ce bâtiment que nous appelons traditionnellement Chebourashka. Sur vos écrans, vous pouvez notamment voir le processus d'installation de cloisons intérieures. Nous allons également parler d'autres travaux qui sont en cours sur le chantier Sovelmash. Les travaux de terrassement se poursuivent. Récemment, une immense tranchée a été creusée à gauche du bâtiment pour installer les systèmes de drainage de l'eau de pluie. Et à ce jour, dans cette zone du site de construction, l'installation des égouts pluvieux est déjà presque terminée. Les travaux actifs se poursuivent également dans le laboratoire d'essai du BTUI. Presque tout l'équipement qui se trouvait dans les locaux en location a déjà été démonté. La plupart des bancs d'essai, des tables, des outils et de tout ce qui est nécessaire pour le travail ont déjà été aménagés dans le bâtiment du BTUI et entreposés dans la pièce du futur laboratoire. Ensuite, les ouvriers vont installer les structures de clôture temporaire. Il s'agit notamment de murs et de portes temporaires d'ailleurs. Ensuite, les travaux de mise en service, d'installation, de montage et de connexion des systèmes techniques seront effectués. Cela signifie que bientôt viendra le jour où le laboratoire d'essai sera enfin lancé. Vous pouvez également voir un assez grand nombre d'équipements pour le secteur de bobinage qui est également déjà mis en place. L'installation des postes de travail, des étagères et des établis est déjà en cours. Les ouvriers vont également monter certains équipements et effectuer la connexion des systèmes de viabilisation. Cependant, les travaux dans les locaux en location se poursuivent pour pouvoir démonter et transférer l'équipement des autres départements et secteurs également. À noter que nous nous préparons à transférer le secteur d'essai comportant l'équipement laser. Vous pouvez donc voir que les travaux sont en cours. Je tiens à noter que les fortes gelées ici en Russie ne nous arrêtent pas et que les travaux se poursuivent. Nous continuons également à tourner notre émission Temps d'experts. Probablement, vous l'avez déjà regardée en cette nouvelle année, car nous y abordons toujours des sujets très intéressants. Merci de votre attention et à bientôt.